Et hop les gars, c'est Bunkill. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo du coup qui fait écho à la vidéo d'hier où en gros je vais vous parler d'un petit logiciel qui va donc supprimer tous les doutes qui sont émis à mon sujet et je vais proposer à beaucoup de streamers d'utiliser le même logiciel car tout simplement, enfin je vais vous montrer par la suite, c'est vraiment je pense révolutionnaire. Donc je précise bien que c'est uniquement réservé aux streamers, une petite surface de streamers comme moi qui sont accusés de triche. J'ai eu l'occasion et la chance d'être le tout premier à tester le logiciel. Donc je vais vous faire mon petit ressenti par rapport au logiciel. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une grande réussite. Je trouve que c'est assez révolutionnaire dans le sens où ça permet à quasiment tous les streamers d'être legit aux yeux de leurs viewers. Et je vais vous expliquer comment par la suite. Donc en fait ça se présente ainsi, c'est un tout petit logiciel, donc le logo c'est une petite fouine, et en fait cette petite fouine, donc c'est un point exe, hein, va run un espèce de petit programme qui toutes les 40 secondes va analyser tous les processus de votre ordinateur, donc que ça soit Discord, là par exemple j'ai Opera en fond, on peut voir Geodacity, bref tout ce qui tourne en fond, Microsoft etc. Et tout ça va être répertorié sur un site du coup qui est hébergé en France, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de vol de données ou quoi que ce soit, c'est vraiment le full legit. Et en gros ensuite sur le site, tout le monde peut consulter ce qu'il se passe sur votre ordinateur. Du coup, moi personnellement, j'ai fait le test la première fois de sortie stream pendant un tournoi. Donc, je vais vous montrer la partie ensuite, juste après, une des parties que j'ai réalisées donc avec certi stream. Et on peut voir via la page internet tous les programmes qui étaient en fond. Et donc là, certains vont dire, ouais, mais en fait, c'est facile de contourner le truc. Tu renommes ton cheat Discord.exe et tu fais passer ça pour Discord alors qu'en fait, c'est un gros cheat. Eh bien, non, c'est pas possible. Parce que, en fait, il y a l'identifiant matériel qui est unique et qui est propre au logiciel. Et du coup, ça, c'est vérifiable. Par exemple, on peut pas dire qu'un truc. Tu vois. En fait, on peut vérifier tout simplement au cas par cas. Par exemple, une application qui s'appelle Discord.exe. Vous-même, vous pouvez lancer Discord et aller vérifier si du coup l'identifiant matériel est bien le même que moi. Et si, par miracle ou inadvertance, vous voyez que enfin, sur ma page Certistream, vous voyez que mon Discord n'a pas le même identifiant matériel que le vôtre, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Donc moi, je suis transparent avec vous par rapport à ça. Depuis mes derniers streams, je montre. Enfin, je montre. J'ai une espèce de petite commande en fait qui retransmet directement sur le site parce que j'ai une page du coup qui est que pour moi où on peut voir tous les trucs que j'ai lancés. Donc là, je vais vous le montrer juste ici. Hop, ça se présente ainsi. Donc là, du coup, ça c'était. Voilà, donc là il est 11h10. Ça, c'est les trucs que, du coup, je viens de lancer. On peut voir les processus, etc. Je l'ai lancé également à 15h20 quand j'ai lancé mon stream et du coup, tous les processus qui sont sur mon ordinateur et qui tournent, on peut les voir ici, et donc vraiment c'est assez révolutionnaire, dans le sens où un streamer qui est en live sur Twitch, si il a ça de lancé, ses viewers peuvent aller mener leur petite enquête, consulter ce qui tourne en fond sur son ordinateur, et ça, pour moi ça enlève tous les doutes qu'émettent les viewers un peu suspicieux on va dire, et donc vraiment je trouve ça très révolutionnaire, et j'invite tous les streamers à faire comme moi et lancer Certistream dès qu'ils lancent leur stream, comme ça il n'y a pas de doute, ou même quand juste ils font une simple vidéo de lancer le logiciel, en parler dans la vidéo, mettre tout bêtement le lien là, Certistream slash Bunkill en description pour que les gens aillent consulter, voir les heures, etc. Voir s'il y a un truc louche, ça peut être assez sympathique à faire. Moi, si je le fais, c'est parce que je suis transparent avec vous, que j'ai rien à me reprocher derrière, mais je sais par exemple, Monsieur Pixel, lui qui a repris le stream. Qui d'ailleurs, je vous le dis ici, hein, cheat toujours comme un porc. Lui, jamais il acceptera de faire un truc pareil parce que là, clairement, il peut pas se cacher comme il l'a fait pendant tant d'années. Là, il sera vraiment cramé. Et donc, le site, les gars, il se présente ainsi, Certistream. Donc, c'est pas une OP ni rien, les gars. Juste, je suis le premier à avoir eu la chance de l'utiliser. J'ai trouvé que c'était ouf. Moi, j'avais un petit peu peur par rapport à un truc, si vous le savez. Si vous suivez mes streams, du moins, vous le savez, c'est que j'ai des gros problèmes de performance sur Warzone, et même c'est le cas de tout le monde, en fait. Et je me suis dit, encore un truc qui tourne en fond sur l'ordinateur, en plus d'OBS, de Discord, etc. Je me suis dit, putain, je vais encore perdre des performances, du coup, ça me fait vraiment chier. Et au final, zéro perte. Je sais même pas si ça prend 1% de mon processeur. Ça prend quasiment pas de RAM. Donc vraiment, c'est un logiciel fantôme qui tourne en fond et qui rend service de ouf. Donc moi je le conseille et je pense que, enfin c'est sûr même, je l'utiliserai à chaque stream. Donc si jamais il y en a qui ont encore des doutes, pour moi c'est vraiment la preuve ultime dans le sens où si vous avez des doutes, vous allez sur mon stream quand je joue et quand je rentre des trucs de ouf, vous allez checker mon certi stream. Et si vous êtes un petit peu, pas parano, mais si vous êtes encore un peu sceptique, eh bien libre à vous d'aller checker chaque logiciel que j'utilise. Repérer avec l'identifiant matériel unique si c'est bien le logiciel qui correspond.
Enfin, si c'est bien Discord qui est Discord, et si c'est bien, je sais pas, Opera qui est Opera, et pas qu'on ait à renommer un programme, etc. Donc, ouais, moi là, je trouve que c'est vraiment cool. C'est un truc qui est français, ça vient tout juste d'être lancé. Je mettrai bien évidemment le mail de CertiStream pour ceux que ça intéresse. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas ouvert à tous, malheureusement, pour le moment. Enfin, du moins pour le moment. Là, pour le moment, c'est réservé aux gars comme moi qui stream le jeu, qui a un bon niveau et qui sont souvent remis en question par une petite partie de la communauté. Enfin, petite, pas si petite parfois. Des mecs comme moi, des mecs comme des membres de l'Apex, des mecs comme, je sais pas, ESK par exemple, ou même Shaw par exemple, ça peut être cool, je pense, qu'on ait un petit truc comme ça en fond. Surtout que c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça prend pas de performance. Le contact, il est ici, bon, de toute façon, je vous mettrai en description. Je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Et pour les plus sceptiques d'entre vous qui veulent vraiment aller vérifier jusqu'au bout, vous allez sur mon stream quand je suis en live. Je le répète, hein, je suis en live quasiment tous les jours sur Warzone. En ce moment, j'ai une toute petite pause parce que je suis en train de péter un plomb un petit peu sur le jeu. Donc je fais une petite pause de quelques jours, mais on revient très en force très bientôt sur Warzone, bien évidemment. Et donc quand je suis en live sur Twitch, vous faites un petit exclamation de cheat dans mon chat. Il y a ce message qui va apparaître avec le petit lien qui sera également en description du coup. Donc là voilà, on voit ma bannière Twitter. Hop, vous cliquez ici. Et là, vous avez tous les processus qui sont en fond sur mon ordinateur. Et là, vous allez dire, ouais, il y en a quand même beaucoup. Mais bon, je peux vous le montrer en live. Hop, clic droit, gestionnaire, processus. Et oui, il y a énormément de processus qui tournent en fond. Mais si vous faites la vérification sur votre ordinateur à vous, ce sera la même chose. Hein, tout simplement, vous voyez, là, j'ai 4000 trucs Nvidia, j'ai 4000 trucs OBS. Donc, il y a beaucoup de programmes. Et bon, on a même du Logitech, là, du AnyDesk. Enfin bref, il y a beaucoup de programmes en fond. Même le CertiStream. Et au moins, si jamais vous checkez bien, bien, bien les trucs, vous verrez qu'il n'y a pas de programme louche en fond, il n'y a pas de engine en fond qui tourne comme certains. Et je pense que ça peut être très cool de répandre ce logiciel, en fait, dans le sens où, enfin, pour moi, ça serait vraiment le top, ça serait que tout le monde, tous les streamers qui jouent sur le PC, que ça soit moi, je sais pas, que ça soit Loan, que ça soit eFalls, Shaw, qu'on ait tous le truc. Comme ça, il n'y a plus aucun doute par rapport à notre communauté, parce que moi j'estime quand même qu'on a une communauté Warzone française qui a un niveau qui est assez élevé, même très très élevé. Et pour moi, il n'y a quasiment aucun tricheur. Et je pense qu'avec un tel logiciel, ça enlèverait les doutes sur pas mal de personnes. Bon, après, j'avoue que moi je suis quand même beaucoup accusé par rapport aux autres, mais je sais pas, par exemple, un Big Neo qui lui, par exemple, je sais pas, on va taper Twitch Big Neo, le mec est en stream quasiment tous les jours. Je suis sûr, là, il est en live actuellement au moment où je vous parle. Ouais, c'est le cas, il est actuellement en live. Le mec se tue à Warzone, il est dans le top 100 au monde. Et un mec comme ça, pour moi, qui run le logiciel, lui, ça lui coûte rien. Vraiment, ça, c'est un mec qui est full legit, ça lui coûte rien. Et je pense que si on arrive à répondre ce logiciel, bah, juste à toute la communauté, ça prouvera à tout le monde que les streamers ne trichent pas, du moins en grande partie, parce qu'on verra quand même, t'auras toujours les Monsieur Pixel, etc., qui voudront pas le mettre, et ceux qui voudront pas le mettre, bah, on se demandera juste pourquoi ils veulent pas le mettre, parce que je vous ai expliqué, hein, ça prend pas de performance, les données sont pas volées, elles sont hébergées en France, c'est pas réservé à tous, c'est réservé uniquement aux streamers, donc je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi en fait on refuserait d'utiliser un tel logiciel en fait, alors que clairement il n'y a pas mieux pour éradiquer les doutes par rapport à son sujet quoi. Désolé pour l'interruption un petit peu brutale, je vais prendre 2 secondes de ton temps où je vais te demander de t'abonner si t'es pas déjà fait, mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux également laisser un commentaire où tu expliques ton ressenti par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à Warzone, à Cold War, ce que t'attends dans les prochains jours. Et vu que c'est l'instant promotion, je t'invite également à aller me suivre sur Twitch, c'est le réseau où je suis le plus actif, même si je suis aussi très actif sur TikTok et Instagram, je poste une vidéo par jour. Bref, je compte sur vous les gars, sur ce, on reprend la vidéo. Et donc du coup, je me répète une dernière fois, mais le contact CertiStream est en description, le lien CertiStream du coup avec ma page. Pour le moment, si je dis pas de bêtises, on a fait un petit test sur Battlefield 5 avec Celeborn, Iken et Starshipper, donc on en a parlé un petit peu ensemble. Bon, Iken, c'est pas un grand grand streamer, c'est pas un streamer tout court en fait, donc lui forcément ça l'intéressait pas énormément, mais Starshipper, lui, je sais qu'il était pas mal intrigué par le truc. Celeborn aussi, moi perso, je suis fan du truc, moi je suis fan du truc, donc clairement, moi, ça me pose aucun problème de le run à chaque fois que je lance un stream. Je joue la carte de la transparence avec vous ici. Donc, ceux qui ont des doutes, je vous invite à aller sur mon petit stream. Comme ça, vous passez faire un petit coucou en même temps, ça peut être sympathique aussi. Et du coup, à présent, maintenant, je vais vous montrer une petite game de Warzone que j'avais à réaliser durant un tournoi 2 contre 2. Donc, format Waggers un petit peu. Donc, j'étais avec Apex Aris. Et donc, je vais vous montrer une partie. Donc, c'était une de mes meilleures parties du tournoi. Et du coup, il y avait bien le logiciel qui tournait en fond.
Donc, bien pour vous montrer que même en ayant un logiciel qui supprime tous les doutes à mon sujet, j'arrive quand même à avoir un très bon niveau sur le jeu. Donc, je sais pas ce que ça prouve pour certains, mais bon, je pense que pour tout le monde, ça prouve que je suis clair. Et juste du coup, petite précision les gars, la partie que vous allez avoir sous les yeux, c'est un extrait d'un tournoi, du coup 2 contre 2, donc les 4 personnes dans la même équipe, j'étais avec Apex Aris, donc vous allez voir dans les squads, on est 4, mais on n'est que 2 à se parler. Dites-vous qu'en fait, les deux mecs dans notre groupe, c'était un peu nos adversaires du match, et en gros, le but c'était de faire plus de kills qu'eux, pour ça qu'on va essayer de checker un peu ce qu'ils font, on va espérer qu'ils meurent pas mal, et on va essayer de faire plus de kills possible. J'espère que c'était clair, dites-moi en commentaire également aussi si vous souhaitez voir d'autres parties avec ce genre de format. C'est assez intéressant, en plus on avait essayé de le faire une fois en team, ou cette fois, donc on était 4 membres Apex, donc 2 contre 2, et on était les 4 dans le même appel, donc c'était assez drôle. Bref, je te laisse avec la vidéo. Viens gros, viens, on va. Oh, y'a un quad Attends, carré! Drop ou pas? Ils disent quoi? Ils ont drop. Ils sont minimum 2. Oh non. Je la défonce, break shield, sur gauche. Oh, il s'est replaqué, merde. Dommage, on peut prendre 2 kills. On a assez pour la caisse, hein. Vas-y, arrête, arrête. Double break encore. Sans aller au goulag. En même temps mec, wesh, où ils vont, y'a trop de monde à chaque fois. Je prends un drone ou pas du coup? Je prends un drone hein. Dans peut-être une. Je mets du... Attends, je le mets manque maintenant, au personne. cas où qu'ils reviennent. Oh, juste à côté. Allez là. J'ai pas compris que tu tires à droite. J'ai pas vu le mec au fond, moi. Meuf. Comment il m'a déchiré comme ça? Comment est-ce qu'il m'a déchiré aussi vite, wesh? Je l'entends pas. Bien joué, mon bien joué. Alors. T'es en bas déjà là? Attends, attends, parce que là il est en train de faire l'éclaireur, mais il y a de grandes chances en fait qu'il aille se suicider là. Ouais, c'est sûr même. Limite, en gros, on joue la loupe, hein? S'il suicide là. S'il suicide, on a gagné. Ouais. Il a réussi à prendre ses classes, c'est-à-dire que c'est safe. Ouais, il a rien pris ses classes du tout là, attends. Il a pas pris ses glaces? Si? Si, si, il a pris. Le quad il est bugué, ouais. J'ai pas été loot. Ça va prendre fantôme, hein. Je prends fantôme, moi. Ouais, pareil, je suis en fantôme. Hein. Prends un trophée ici. J'ai tout récupéré, gros. Bon, bah écoute, notre Ah, mais dadouane, lui hein. il fait la loupe, lui. Il Limite, on prend un va... quad, on finit la loupe à sa place. On le baise hein, comme ça. Ouais, ça change en rien, en vrai, il aura des thunes, mais. Il aura pas assez. Si on paye toutes les loupes, il se retrouve avec 5005. Tout ce qui. Là où il est, en plus, c'est looté. Vas-y, attends, je reste sur le Ça quad. Fais la loupe, fais la là-bas, loupe, fais la ça loupe. fire là-bas, ça fire là-bas. Ok. C'est pas la dernière. Je prends quand même. Elle a pas un euro. Je prends le top. Des mecs au fond là. Ça court là-bas? C'est de ça que je te parlais. Je suis en train d'avancer Lâchez le gentiment. pain, je suis nul. Il va avec pain, c'est bon, c'est toi. J'en ai vu qu'un. Oh, je me fais laser! Oula! Il se fait shot! Non, il se fait shot, je prends pas le kill, attends, il va peut-être mourir. Ah non, pas. Je pense que tu peux. Fais pas en sorte qu'il crève ou quoi, genre, tu peux Mais slay. ouais. On a de l'avance déjà, gros. Quitte à conforter l'avance. Bon, moi ça finit vite quoi.
On a quoi là? On avait plus 5 à game d'avant, là on a plus 2, là on a quoi? Là-bas toujours? Ils sont 2, 3? Dommage. Oh, putain, ils sont très bien, je les ai arrachés, mais. Ah, oh, ça crosse là-bas aussi? Comment je me. Il y en a un qui a cross devant toi, au ping vert. Ouais, c'est ce que je vais chercher. Et les mecs là-bas, je les ai arrachés, je mets des plaques. Bois d'un mur derrière. Ok, ça fight pas loin de nous là. Côté, je crois que là on est mort. Hein. Il y a un mec sur le colis mort. Franchement, on tient en back. Ses potes à lui ils sont à droite. Oh, ils cross. C'est le moment de les récupérer. Les deux ils cross, ici là. Sur moi. Chier, j'arrive. Bien joué. Je les laser un peu, mais ils hide au fond. Encore un devant moi, deux devant moi. Il est mort. C'est lui qui est mort? Ouais, c'est lui qui est mort. J'en ai mis un à terre. Contact. Break. Bien joué. À terre, du coup. En face. J'en ai mis un à terre devant là. J'aime bien, hein! Beau jeu ou pas beau jeu? Pas beau jeu. T'as envie, Non, c'est bon. T'es vraiment un fils de pute. T'es vraiment un super fils de pute. Ça me shot. Bon, contact à moi. Ma trophy. Inter là. Ma shield. Gauche, j'ai stun à gauche. Pas touché à gauche. Je remets le nade à gauche avec toi. Oh merde. On va à terre. Je stun. Il va faire le tour. Hein. J'ai para devant. Ma shield. Encore. Mais je tire où là? Mais putain, mais. Et j'étais devant lui, mais je croyais que c'était toi. Le truc qui. Oh là là, ça me pète les couilles aussi. Hein. Comment il a encore envie, Zaza? Hein? Ah, mais son goulag? Non? Je sais pas, gros. Il est mort instant sur le. Comment c'est qu'il est là, lui? Je sais pas, gros. Devant moi. Mais attends, des viseurs fixes. Il est solo. Tu l'as vu? Non. Je sais pas si on t'a POV. Comment ça t'es passé en même pote avec moi? Ouais, là c'est bon, mais j'étais pas dessus juste avant. Ah. Il était le mec qui m'a down était solo, gros. Je l'ai eu une fois là, mais j'ai pas eu ça le ping, ça va marcher. Bah, si t'arrives à me relever, fais. J'avoue. Ce serait bête que je me trompe. Comment c'est qu'il est revenu son mate? Je comprends pas. Je sais pas. Ils avaient tous les deux fait le goulag, non? Bon, on a quoi? On a 3. Ah oui, ils avaient tous les deux fait le goulag. Moi, je comprends pas trop non plus, mais. T'es repassé 3 barres? Ouais, j'ai la longue, j'attends. On va monter. Vraiment, jouer comme ça m'aurait plu une. Sur moi. Je backstab. Para. Oh, j'ai une pause à être trop forte. Toujours 3 hein, par contre. Hein. Pour moi, c'est 2. Pour moi, celui qui me joue, il est là-bas. Hein. T'as une chance sur 5 pour que je me follow. Comment ça? 3. Hein. Shield. Bien joué. Je vais vite faire récupérer mon fantôme. Ouais, je l'ai déjà, je crois. Nos adversaires ont pas fini, hein. On peut la jouer. Ok. C'est ça que je te dis ça. Sinon, on aurait déjà le livre, mais. J'ai le temps de prendre un drone ou pas? Non, je prends un drone. Non, j'ai le temps.
Tiens, go devant là. Un parachute lui à gauche. Il pop là, on peut peut-être le laser, t'es prêt? Je l'ai pas, j'ai plus la ligne. Fais chier, derrière un HP. J'ai malheureusement plus la ligne. Tu peux prendre de... Oh bah j'ai le kill. Dans les baraques devant là. Il a dû se faire détruire par le... Deuxième baraque. Y'a un mec qui a spawn sur le toit. T'as un peu d'avance, hein, je suis un peu derrière. Ouais, j'aurais chier de top, hein, il est mort, à terre. Sur mon top à moi ou... Ouais, non, juste devant. Top devant. Maison juste devant, hein. Non, moi je vais pas lui, moi. T'as pas stun? Police! On va en bas, là. J'ai mis à terre, du coup, top, là. Ils sont beaucoup, hein. Cimetière, c'est notre team, je pense. Hein. Viens, on va top jaune. Ok, ils sont. Attention, ils sont côté droit de cimetière maintenant. C'est bon, j'ai une bonne pause là. Je les vois pas, gros. Ils ont push? Ils ont push à gauche ou pas? Ah, il est en L-glisse, ce fils de pute! Il est solo aussi, lui. Il m'a vu, wesh. Ah, oh, top, wesh. Putain, comment j'ai le démon. Mec, un peu juste jusque-là. C'est que ça vient, je dirais, là-bas. Ça m'a mis ma kilo en main, là, ou pas? Quoi? J'ai mis la kilo en main là ou la 9? Je crois que ça a pas marché quand j'ai pris la kilo. Oh ta mère la pute, quoi ça. Timère. Je suis retourné là-bas où je les ai tués. J'ai pas mis mon kill du coup, grand top. Hein. Sur mon cadavre, tu penses? Pour moi, je te dirais ouais, mais. Je pense que c'est safe. C'est bon? C'est bon. Tête au top, du coup, on fait gaffe, ça a tête sautée. Hein. Je pense qu'on va se positionner burger. Des balles ici là. J'ai plus du tout mes atouts, ça me plaît hier. Voiture qui arrive vers nous. Vers moi. Allez, tiens. Ok. Autant les attirer, quoi. Ils ont pas envie de jouer avec nous. Ouais, je vois ça, hein. Très marrant le bug. On croit qu'on va les jouer? Sans le camion. Hein. Hmm, sans le camion. Oh, sans le camion, on y va. Il était solo dans sa caisse. Hein. Il a pris la couronne. Y'a pas. Pourquoi j'ai fait un truc à gauche? Y'a pas un de ces mecs qui spawn, non? Monte, wesh! T'en prends pas le contre instant? Si, il va savoir qu'on est là. Et oh, vous combien, les mecs? Il y a une frappe en plus parfait.
Parking vert, il y avait du monde. Ils auraient pas patché le R9. Ou alors, je sais peut-être ce qui me dérange sur le R9 là, c'est que vu que j'ai changé le truc là, bah, je l'ai ressenti chelou gros. Quand je tire en noscope, c'est bizarre. Hein. Ah ouais? Mais ouais, genre. Je sais pas. Bah viens le. Je pense que le truc temps de transition après le sprint gros, c'est comme dextérité en fait. Hein. Je cours, j'appuie, genre y a du temps gros entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. J'ai pas cette impression là, mais après. Ça tire au parking. Prends un drone, pète-le un centre. Hein. Ouais. Ou prends une autorise, mais. Vas-y, fuck. On les joue, eux, hein. Ils sont réa. Je vais passer à droite. Leur mate vient de spawn sur le top aéroport. Deux mecs ont spawn. Je passe à de côté droit. Hein. Vas-y, vas-y. J'ai un silence de mort, je suis peut-être passé à gauche moi. J'ai un silence de mort, il est à mon étage. Fait, gros, fait. J'ai un silence de mort. Il est au-dessus de moi. C'est encore Réa. Il m'a arraché, je lui ai un kill. Moi j'ai piqué mon frag aussi là. Open piece en haut, il y avait un mec. Je me redirige vers toi là. Hein. T'es en bas, merde. Le souterrain, le mec avec la Jeep. T'as peut-être un mec close à toi, fais gaffe. Hein. Je pense que t'as eu un bad timing de ouf là. Ouais, il est là. Pas eu de chance là. Et bah, c'est un mec de lui, je pense. Ça a lâché le camion devant nous. Ok. Ça rajoute là. Enfin, je l'ai pas vu. Souterrain, souterrain. Okay, j'ai hit un peu la prime. Là, juste à gauche de moi. Ici, là, il y avait un mec. J'arrive. Fils de pute, Betty. Frac les morts. Place à moi? Non? J'arrive pas le sang. Ouais, il est souterrain, le mec. Hein. Il y en a un qui est souterrain, gros. Ah, bah, c'est lui. Info alors. Sûr. C'est un camo. C'est un camo. Comment on appelle ça? Fougère, genre. Break. Ah, il est souterrain de ouf là. Ils sont deux. Tu peux passer vers moi là. Ils sont deux, hein, au moins, je pense. Mauvaise idée, hein, mauvais plan. Vas-y, là, on l'assure. On peut passer par là en plus. Hein. Faudrait que j'arrive à récupérer ça, moi. On peut prendre le top, y'a peut-être un mec qui spawn dessus, de la part, c'est classe. Comment on monte? Pas tout le tour là, non? Attends. Il y a double tir. Attends. Il y a un mec au top, je crois. Il y a une tiro ici, putain. Je suis des mecs, un vénère là. Bah, moi aussi, hein. En dessous. En dessous? En dessous. Ouais, ok. Oh. Non, je vais prendre la tyrolienne. Merde, j'ai appuyé. Prends-la. Ça m'a à droite. J'ai un truc de merde. Plaque. Putain, mais de moi, gros, j'ai choc. Ça drop sur nous ou pas? Non, il est en bas de nous, Ah, j'ai mal joué, dommage, j'avais un kill. Il y a une pose qui est sympa là. Hein. Après, attends, je reste comme ça. Je vais checker vite fait au loin là. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un mec qui avait pop là. Bah, y'a rien. Tu es allé? J'ai faim de ouf. Moi aussi, de ouf. Le mec près de tout le gruyère là, ça a pas suffi. J'ai pas mais c'est à droite. Il va passer. Bah, ça m'a stun, c'est pas moi ça. T'as laser à gauche! Oh le! Nice! On va du rester au top, hein. Viens, pire, on remonte. Ok, on les attend. Je le baigne pas. Ah, ils sont close à moi, contact. Il y en a un qui est à gauche. Je suis une fois, il y en a son pote qui est à gauche. Non, il va peut-être sortir à gauche. Attends, reste comme ça.
Touché. Ok, je sais pas ce qu'il fait, je le vois pas à gauche. Oh, ça wallbang. Putain, je peux pas monter là-dessus. Je suis avec toi. Il est défoncé, gros, vrai shield. Bien joué. Je fais que sound. Quoique. Ça passe. Bien joué. J'aurais dû prendre le trophy, je suis trop bête. J'ai traité ça contre un sens de mort inutile. À droite aussi, j'ai un mec à droite tout seul. Je vais c'est mon bail. Là. Ping, 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 j'ai une frappe. Break. À nice. Terre. Ça me beaucoup. J'ai une frappe sinon. Solo. Enfin. Me laisse pas solo. On va le faire. Mets-moi en droit. C'est bon. Voilà, ça n'a pas fini au bide là-bas, au fond. Attends, en nord-ouest. Ouah, ça va être plein d'axes. Oh la frappe. Oh ça, merde la pute. La droite, il y a le pont, c'est bon, nickel. Ici là. Should be safe here. Ok, mate. Tu vois mon ping là? Non, attends. Ils étaient là ici. T'as un peu plus à droite maintenant. Ils sont au snipe, hein. Il me reste qu'une seule plaque. J'ai pense. Contact de ouf. À terre. Ça arrive, contact de ouf, gros. Contact de ouf. Super, ce tard là. À terre. Je suis débile, quoi. Il est à 1 HP. Un autre à terre. Je me la frappe instant ces derniers. J'ai trop mal joué. Un endroit. Un plus à droite. Oh putain. J'ai pas de masque. Un capuche à droite, gros. Deux. Oh. Merde. T'as pas. Putain, je suis mort. Oh le débile. Oh, j'avais plus de balles dans mon arme, ils m'ont joué quand même, c'est débile. Oh les débiles, j'avais plus de balles gros, j'ai dû jouer aux pompes. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo jusqu'au entier, si elle t'a plu, n'hésite pas à poser un petit like et en commentaire avec ton ressenti à la fois sur le tournoi, le format 2v2 et surtout sur le petit logiciel que je t'ai présenté au début. Tous mes réseaux sont en description, mais ça tu le sais déjà. Quant à nous les gars, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, Step and Kill, ciao tout le monde.